Ouais, allô, ça coule. Ouais, comme ça. Ouais, on va, inch'Allah, clôturer. Et tu Ouais, disais quoi il y a avant que des ça personnes qui coupe? après qui ont d'autres questions et tout, Ben ouais, mais. en vérité, il y avait des questions, vu qu'on a été pris par le cours. Ouais, Il y a ben plusieurs n'hésitez pas questions en auxquelles on fait, parle. parce que je voyais plein de questions passer. Mais en fait, j'ai vu un truc un peu parce que faut savoir en fait que dans la vie, je pense que je vais rien apprendre à personne. Dans toute chose, il y a des hauts et il y a des bas. Dans toute chose, il y a du positif et il y a du négatif. Il y a rien qui est parfait. Il y a rien qui est parfait. Quand par exemple, on va dire aux gens, voilà, on est au Maroc, on parle de notre parcours, etc. Ça ne veut pas dire que le Maroc, il est parfait. Il y a des choses à dire, si on pense Merci, à toi. merci, merci. Voilà. Je dis toujours aux gens, il y en a qui viennent te dire, oui, le Maroc, ils ont fait ci, le Maroc, ils ont fait ça, l'Algérie, ici, l'Arabie. Hey, moi, je suis pas ici pour quelqu'un. Je suis ici pour me préserver, moi. Il n'y a aucun pays au jour d'aujourd'hui, c'est l'Eldorado. Chacun, il regarde où il se sentira le mieux. Tu vas aller en Australie, va en Australie, c'est entre toi et Allah Azzawajal. Moi, aujourd'hui, l'un des pays où je me sens le mieux pour ma religiosité, C'est ça c'est que le je veux dire, mais dans Maroc. chaque chose. Donc même quand je parle par exemple d'entrepreneuriat, etc., il y a du positif, il y a du négatif, il y a de la facilité. Moi, celles qui sont là, les femmes, je vous invite à me suivre. Moi, je partage mon quotidien de femme entrepreneur, etc. Donc aujourd'hui, quand je dis ouais, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, etc., ça veut pas dire que tout est parfait. Ça veut pas dire que tout est rose. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est voilà, la vie, elle est faite comme ça. Mais moi, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat me permet d'avoir une liberté et d'avoir une vie. C'est une cause pour moi d'avoir une certaine liberté et d'avoir de pouvoir mener la vie que je mène. Aujourd'hui, la vie que je veux, pardon. Aujourd'hui, je scolarise mes enfants dans l'école de mon choix, que je peux payer grâce à mon activité. Grâce à mon activité. Donc si parfois je peux pas être au top, parce qu'on peut pas être au top à 100% partout, parce que vous dites OK, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Oui, mais tu me dis l'entrepreneuriat, mais dans l'entrepreneuriat, il faut ça, faut être marié avec un homme comme ci, comme ça. J'ai envie de dire pour toute votre vie de manière générale, pour sa vie de manière générale, faut bien choisir son mari, j'ai envie de dire. Hein. Pour la hijra, ben, ça dépend aussi de ton mari. Moi, je connais des sœurs aujourd'hui, ça fait des années qu'elles veulent partir. Depuis que moi je suis partie, ces sœurs-là, elles voulaient partir. Elles sont toujours en France parce que c'est leur mari qui bloque. Et des fois, c'est la femme qui bloque. Donc, que ce soit pour l'entrepreneuriat ou pour toute chose, oui, bien sûr, la personne avec qui tu es mariée, c'est important. Moi, aujourd'hui, qu'Allah le préserve, j'ai la chance d'être mariée Amen. avec mon épouse et quelqu'un qui me soutient. C'est quelqu'un qui me soutient dans mon activité entrepreneuriale, mais en même temps, le bénéfice, il nous profite à tous. D'ailleurs, on travaille ensemble dans l'entreprise, c'est notre entreprise à nous deux. On travaille en couple, alhamdoulillah. Et en fait, c'est pas parce que je dis que je suis dans l'entrepreneuriat que tout est parfait. Oui, il y a des fois où ben, j'ai pas forcément le temps de faire telle chose, alhamdoulillah, de faire mon ménage, ben, je fais venir une dame de ménage. Il y a des fois où j'ai pas forcément la possibilité de faire telle chose. Mais moi aujourd'hui, alhamdoulillah, grâce à mon activité professionnelle, mes enfants sont préservés, sont dans l'école de leur choix. Je peux être avec eux, je peux mener la vie que je souhaite. Je peux leur offrir certaines choses que on ne pouvait pas en étant en France, parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Encore une fois, c'est pas parce que moi je vais parler de mon parcours que c'est le même cas pour tout le monde. Mais aujourd'hui, je vis dans un bel appartement que quand j'étais en France. J'ai une meilleure vie, alhamdoulilah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, de quand j'étais en France. Donc, mais tout ça, c'est pas en dormant, hein. Excusez-moi. Oui, je fais des concessions. Oui, tout n'est pas parfait. Oui, là, tout n'est pas facile. Mais c'est des choix à faire. C'est pour ça qu'on dit que oui, à chaque fois on dit oui, mais il y a telle chose. Oui, mais il y a telle contrainte. Mais c'est ça notre problème, c'est qu'on croit que on va avoir tout sans passer par les contraintes. Mais bien sûr, il y aura des contraintes dans tout. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y aura des contraintes. Faudra travailler, faudra faire des choses, mais les résultats en fait qu'on a derrière, ben, ils en valent la peine. En fait, c'est ça.
c'est que ces résultats-là en valent la peine. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, il y avait un frère qui était rentré qui a dit, voilà, les gens, le problème, c'est que au premier échec, première chose, etc., les gens, ils lâchent. Et c'est ça un peu, c'est dire, oui, mais ok, tu fais ça, mais oui, mais ok, t'es parti au Maroc, mais le Maroc, c'est comme toujours voir les contraintes. Mais il y a des contraintes partout. Il y a des contraintes dans tout. Il y a du négatif dans tout. Si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien. Donc, faut voir au-delà de ça, faut voir les bienfaits que tel ou tel choix peuvent nous apporter, même si, bien sûr, on est toujours obligé de faire des concessions dans la vie. C'est comme ça et c'est normal. Donc, voilà, ça c'était par rapport aux commentaires que j'ai vus précédemment que je disais tout ça. Je parle pas à une personne en particulier, hein, je réponds à plein de commentaires et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on va dire il y a ça. Oui, mais si on reste bloqué à chaque fois sur les mais, on va pas avancer. Je mets des questions sur l'écran pour toi, là, Inch'Allah. Alors, comment assumer son voile en société? Alors là, c'est une bonne question. Je sais pas si je suis apte à y répondre du coup, mais pour moi, S'il y a des autres sœurs voilées qui veulent monter pour moi, faire part de leur expérience, moi, bismillah. Hein. personnellement, je vais dire, moi, ce que je pense, c'est que déjà, en fait, pour certaines personnes, je pense que c'est plus facile, en fait, de vivre dans des endroits où déjà, il y aura beaucoup plus de femmes qui portent le voile. Ça, je pense que c'est quelque chose qui aide parce qu'on se sent moins seul. Moi, je dis ça parce que moi, à la base, mes parents, ils viennent de Picardie, donc du nord de la France, en Picardie. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à porter le voile, quand j'étais là-bas, je me sentais pas aussi bien qu'en région parisienne, parce que moi, j'habitais en région parisienne. Et je me disais, mais je peux pas vivre dans cette ville-là. Après, je sais que c'est pas aussi facile de déménager comme ça, etc. Mais c'est vrai que être dans un endroit, vivre dans un endroit déjà où il y a plein de femmes qui le portent, je pense que ça peut aider. Après, également, en fait, c'est que tout en restant dans le cadre du voile légiféré, je pense qu'il faut aussi un peu se conformer au pays. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais en France, tu fais comment? Ben, en France, il y a quand même une communauté musulmane, donc c'est un peu de voir ce qui passe en France. Aujourd'hui, il y a plein de marques qui se lancent, il y a plein de marques pour les femmes musulmanes de modeste fashion où on a des vêtements qui sont tout en étant légiférés, qui peuvent aider aussi pour certaines personnes, parce qu'il faut savoir que chaque personne a son cheminement, etc. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si je suis apte pour cette Oui, question-là. et le problème, moi, je voudrais conseiller aux sœurs. Je sais que là, je vais me faire frapper aussi, mais arrêtez de vouloir toujours mettre du noir. Le noir, c'est pas obligatoire, en fait. Je voulais le dire, mais j'ai Le pas osé. noir, non, faut le dire. Moi, de toute façon, chez Mohamed Lamine, on dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Arrêtez de vouloir toujours mettre du noir. Le noir, c'est pas obligatoire. Il y a aucun dalil qui dit que la femme, le noir, c'est pas une condition du hijab. Si tu vas en Arabie Saoudite ou au Yémen, tu mets du noir pour faire comme les gens du pays, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je sais pas moi, tu vis en France, tu vis en Angleterre, tu sais que le noir, c'est une couleur qui va faire peur aux gens ou qui peut te causer du tort. Non, tu peux mettre de la couleur, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. S'ils mettent du kaki, ça va mieux passer, ben mets du vert kaki, c'est une couleur sombre. S'ils mettent une couleur beige, ça va mieux passer, tu peux mettre du beige, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Faut arrêter de penser que le noir, c'est obligatoire, que tu vas être plus pieuse parce que tu auras mis du noir. Non, c'est pas vrai. Il y a des pays dans lesquels si tu mets du noir, ça va être mal vu. Donc ça, c'est une des. Pour mieux assumer. En fait, il faut essayer de se fendre dans la masse. Essaye de passer tranquillement. Pareil pour un frère. Un frère, il sait qu'il va aller dans un endroit, il va mettre. C'est pas moi. Moi, quand je travaille, si je suis en France, si je dois travailler, je vais pas mettre un camis. Je vais mettre un vêtement qui va être adapté à la situation. Donc voilà. Si vous mettez un hijab beige, vert kaki, ça va mieux passer dans le métro que si vous mettez un truc noir ou qui va moins bien passer. Il faut prendre en considération cette chose-là. Et le noir, il n'y a aucun dalil qui dit que le noir c'est obligatoire ou autre. Donc là, il y a une autre question. Et je vois pas la question. Là, je vais la mettre, attends.
Bon, ça c'était pour les sœurs qui sont en hijra seules, mais vu que tu es en hijra et que parfois tu vas faire des achats, Sommes-nous pas tu peux susceptibles peut-être. d'être plus faciles à nous arnaquer? Ah, c'est bon, je vois les questions là. Lorsque tu vas faire des courses, etc. Bah, forcément, hein, quand tu viens pas d'un endroit, en général, on peut plus facilement t'arnaquer ou si tu connais pas l'endroit où tu vas, après, faut faire attention, après, moi, personnellement, sur Tanger, de ce que je, ça dépend dans quoi tu vas, mais j'ai remarqué que, par exemple, en comparaison avec l'Égypte, ils ont moins tant que moi de nous arnaquer. Par exemple, quand on va en marché ici, c'est même eux, il y a encore là, 2, 3 jours, j'étais au marché avec ma mère, le vendeur, on lui a rien demandé, c'est lui qui nous a baissé le prix. Donc, mais sinon, faut vraiment faire attention, genre, à force d'être dans un endroit, on connaît les prix, on connaît les trucs et tout. Donc, en tant qu'étranger, de manière générale, forcément, il y a des endroits où ben, on va chercher plus peut-être à vous arnaquer, etc. Mais il faut vraiment, du coup, faire attention, se renseigner sur les prix pratiqués et tout ça, et pas se laisser faire contribuer. Il y a une sœur qui a dit oui, elle a soulevé un point qui est très très important. Il y a une sœur qui a dit, quand on vient de parler des couleurs du voile, il y a une sœur qui a dit, j'étais en robe large, abaya, alors j'étais pas légiféré, etc. Alhamdoulilah, je ne me suis pas laissé atteindre. Au niveau de la tenue, les sœurs sont pas conciliantes. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Bon, c'est une catégorie hein, de sœurs aussi, hein, Voilà, voilà. Moi, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il faut s'affirmer. Les gens qui sont dans le matu vu, il faut les laisser. En fait, il faut faire les choses pour Allah Azzawajal conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. Si vous savez qu'une chose, c'est pas interdit religieusement, et même si les gens ils viennent, ils vous disent oui, je sais pas, dites-leur, va te faire cuire des œufs durs. Enfin, je suis désolé, mais moi c'est comme ça que maintenant je suis avec les gens. Parce qu'en fait, nous aussi avec les frères, on a eu ces mêmes problèmes. Je me rappelle à l'époque, c'était, je me rappelle il y a 10 ans en Égypte, si tu mettais un sarouel, c'était mal vu. Tu mettais un sarouel quand les frères ont commencé à mettre des sarouels il y a 10 ans. Les frères critiquaient, je me rappelle encore des frères critiquaient ceux qui mettaient des sarouels. C'était mal vu de mettre des sarouels. Fallait obligatoirement que tu mettes un kamis, sinon c'était mal vu. Si ta femme en Égypte, elle mettait pas un niqab, c'était mal vu. Parce que ta femme ne met pas de niqab, etc. Le niqab, beaucoup de savants, ils voient que c'est pas obligatoire. Moi, je Pas soutiens le plutôt l'avis que la niqab, femme, le même sitar, si tu voilà. mettais le niqab, on te faisait une mise en garde. Hein. Voilà. Donc, et ces trucs-là, il faut arrêter dans la communauté. Il faut faire les choses pour Allah Azzawajal, conformément à ce que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé. S'il y a quelqu'un qui n'est pas content, il faut lui dire, va te faire cuire des œufs durs, mais il ne faut pas faire les choses en fonction des gens. Si ce que tu fais, ton accoutrement, ton vêtement que tu as mis, ton adoration, comment tu l'as fait, etc., elle ne plaît pas aux autres, mais toi, que tu sais que tu as des... c'est que venu comme ça dans la sunna, il y a des avis qui sont d'accord avec cela, faut pas obligé de faire des choses parce que un tel, il va dire telle chose. Parce que voilà, j'ai pas envie d'encore parler, mais ce groupe de gens qui font ça, on sait très bien qui c'est qui. J'ai assez parlé d'eux, mais voilà. Donc voilà, les sœurs qui. Bon, et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est en train de mourir tout ça, mais voilà, il faut s'affirmer, il faut pas avoir peur de faire ce que vous voulez faire tant que ça reste religieusement convenable pour les gens. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui demandait, c'est quoi la hijra? Je sais pas si tu avais répondu à cette question. Ah, ouais, c'est quoi la hijra? C'est vrai, il y a une soeur, elle a demandé ça tout à l'heure. Donc, c'est quoi la hijra? Alors, la hijra, c'est un mot arabe qui vient du verbe hajara. Hajara, que l'on peut traduire par le délaissement, l'émigration. Et donc, les savants lui disent que al-hijra, en arabe, c'est le délaissement, c'est le tark. C'est le fait de délaisser quelque chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, al-muhajir, man hajara, man nahallahu an. Il dit, le migrant est celui qui délaisse ce qu'Allah a interdit.
L'hijra, le délaissement, c'est le délaissement des mauvais actes, c'est le délaissement des mauvaises choses, des mauvaises choses, des mauvaises personnes. Et c'est également le délaissement des mauvais lieux. Donc, Allah Azzawajal, il a ordonné dans le Coran de délaisser les mauvais lieux, les lieux où il y a de la dépravation, le musulman, il doit les délaisser. Et parmi les plus hauts lieux de dépravation, c'est les terres où la mécréance est pratiquée, la mécréance est promue normalement. Et parmi ces terres où la mécréance elle est promue normalement, il y a bien entendu la France. Et lorsque le musulman il se sent en danger dans les terres de dépravation, donc ça peut être des terres où, ça peut être même un pays musulman, mais que malheureusement, l'innovation est répandue, ça peut être un pays non musulman. Lorsque le musulman il se sent en danger dans sa religion, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à extérioriser sa religion normalement, faire ses adorations normalement, éduquer ses enfants normalement sur le Coran et la Sunna, lorsqu'il se sent en danger dans sa religion, eh ben, il lui est obligatoire de quitter cette terre de dépravation pour aller dans une terre où il pourra mieux pratiquer sa religion. Donc voilà, en grosso modo, la hijra. Mashallah. T'as eu d'autres questions? Attends, j'en ai une autre question. Comment effectuer la hijra sans homme dans le licite? Comment effectuer la hijra sans homme dans le licite? Je crois que c'est pas tout à fait. Bon, ouais. Donc déjà, tout d'abord, il faut savoir que c'est totalement autorisé à une femme de faire la hijra seule, sans homme. Religieusement parlant, c'est autorisé. À la base, la femme, ils vont dans le sens que c'est pas autorisé qu'une femme elle voyage toute seule. Mais lorsque c'est pour la hijra, là, ça devient autorisé. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, la hijra, c'est pourquoi? C'est pour préserver la religiosité. C'est-à-dire que si une femme, elle se sent pas en sécurité, religieusement parlant, en France, au Danemark, en Belgique, en Allemagne, etc., et qu'elle veut aller au Maroc dans le but d'être préservée religieusement parlant, c'est même pas que c'est autorisé, c'est même que c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que, à la base, il faut comprendre une chose, c'est que Allah, je veux dire, dans son livre saint, il nous dit quoi? Il nous dit, il ne veille à mourir que si vous êtes pleinement croyant. Et ça, c'est un ordre d'Allah Azzawajal de mourir en étant totalement soumis à lui. Donc, si une femme, elle sait qu'elle vit dans un pays où elle craint de mourir et qu'elle n'est pas totalement soumise à Allah Azzawajal, il se peut combien de gens, subhanallah, ils voulaient faire la hijra, au final ils sont morts là-bas dans les pays non musulmans, et il se trouve ils sont morts, subhanallah, ils sont morts, parfois comme ils ont enlevé le voile, tu les vois, subhanallah, ils sont plus dans le dîn, etc. C'est pas un jeu, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Donc, à partir de ce moment-là, quand l'affaire devient grave à ce point et qu'on craint de mourir et en n'étant pas totalement soumis à Allah Azzawajal, et ben dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, faire la hijra, c'est même pas que c'est autorisé, mais c'est une obligation. Parce que quoi? Parce que là, on craint, subhanallah, de rater l'examen ultime. Et l'examen ultime, Allah nous dit dans le Coran, c'est lui qui a créé la vie et la mort. Il a créé la vie et la mort afin de vous éprouver et de savoir quel est le meilleur de vous en action. Donc une femme qui est dans cette situation-là, elle est en France, elle n'est pas mariée, etc. Bon, le mieux, bien entendu, au début, c'est d'essayer de faire des causes pour ne pas voyager toute seule. Mais si maintenant, en faisant les causes pour se marier, ou en essayant de partir avec un de ses frères, son père, etc., elle ne trouve pas, c'est totalement autorisé qu'elle parte toute seule. Voilà, qu'elle essaie de s'arranger. Si elle est originaire d'un pays musulman, ben elle essaie de s'arranger pour. Il y a une sœur, ce pendant-là, elle a fait la hijra toute seule au Sénégal. Quand elle est au Yémen, il y a des sœurs qui ont fait la hijra toute seule. En Égypte, elles ont fait la hijra toute seule. Au Maroc, il y a des sœurs qui ont fait la hijra toute seule, etc. Alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de pays musulmans, tu as des sœurs qui sont toutes seules, donc elles essayent de s'arranger
pour essayer de vivre en colocation avec des soeurs. Et il se peut qu'Allah Azza wa Jalla veuille faciliter un mari dans le pays musulman dans lequel elle va aller. Mais franchement, subhanallah, il y a beaucoup de soeurs qui sont beaucoup plus courageuses que beaucoup de frères. Combien de soeurs se marient, elles ont la ferme intention de faire la hijra, et t'es là, le mari il est là, et mashallah, je travaille à la RATP, et il a du mal à quitter son travail. Travaille, c'est pas moi. Après, beaucoup de frères, malheureusement, il travaille à France Télécom, il a un bon salaire, il a du mal à quitter son travail, etc. Au début, ils se sont mariés avec l'intention de la hijra. Au final, et monsieur ne veut plus faire la hijra. Donc, il y a beaucoup de soeurs qui ont beaucoup plus de, qui sont beaucoup plus courageuses que beaucoup de frères. Donc, voilà, la soeur, déjà, il faut qu'elle regarde avec qui elle va se marier, quand elle va se marier, est-ce que la personne, elle partage vraiment la même intention qu'elle. Et à la coulihel, voilà, entre un frère qui veut pas faire la hijra et faire la hijra seul, moi je conseille aux soeurs de partir et de faire la hijra seul, parce que se marier avec un frère qui veut pas faire la hijra, c'est au final avoir des enfants qui vont grandir en France, qui vont aller à l'école en France, on va leur apprendre toutes les mauvaises choses qu'on peut apprendre en France aux enfants, etc. Donc à la coulihel, c'est totalement, c'est même pas licite, mais c'est même une obligation pour la femme qui craint pour sa religiosité de partir. Non. Désolé, j'étais loin un peu. Question. Peut-on se marier à la place d'aller travailler et de retirer son voile? Peut-on se marier à la place d'aller travailler et de retirer son voile? Mais c'est même pas, c'est même pas, ça c'est même pas, c'est comment expliquer? Mais c'est la base, se marier, ça passe avant de travailler et d'aller retirer son voile. Ben, retirer son voile, ça n'y a pas à faire déjà. Ben ouais, il n'y a pas à le faire, sinon moi je sais pas pourquoi j'ai. En fait, il y en a qui sont Je sais motivés, pas, capables moi de faire j'arrive pas. oui. Moi, j'ai pas trop compris la Même moi, question. j'ai pas tout compris la question. Que faire lorsque l'on est contraint de travailler, on s'entretient seul, etc. Attends, Je crois qu'il on y a une s'entretient. suite. Ouais, il y a une suite, ouais. On s'entretient seul, etc. On peut Peut-on enlever enlever le le voile. voile? Ouais, peut-on enlever le voile? Peut-on enlever le voile? Et que faire lorsqu'on est contraint de travailler? Non. Je sais pas qu'est-ce que vous enseignez par contrainte, contraint de travailler à Allahu a'lam. En tout cas, moi, j'ai jamais, jamais, jamais entendu un savant qui a dit à une personne qu'elle peut enlever son voile pour travailler. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu ça et je ne vais pas faire de fatwa ici pour dire ça. Donc, franchement, vraiment, voilà, contraint, il n'y a qu'une nécessité qui pourrait permettre cela, et la nécessité, ça veut dire que si la sœur, elle le fait pas, eh ben, elle va mourir de faim. Ça veut dire que si elle ne le fait pas, c'est comme si on lui dire, ouais, est-ce que boire de l'alcool, c'est autorisé? Boire de l'alcool, c'est haram. Mais si tu bois pas l'alcool, tu vas mourir. Donc là, oui, t'as le droit de boire de l'alcool. Est-ce que manger du porc, c'est autorisé? Manger du porc, c'est haram. Mais si tu sais que tu vas mourir de faim, faut que tu manges du porc. Faut voir maintenant c'est quelle nécessité, parce que malheureusement il y en a, leur nécessité c'est lui, je sais pas, mon mari me donne pas tel ou tel, je sais pas, faut vraiment voir c'est quoi la nécessité, parce que enlever son voile c'est pas une petite affaire. Donc moi je peux pas venir dire et faire des fatwas, etc., c'est pas mon niveau de rythme, mais j'ai jamais entendu qu'un savant il a autorisé à une personne d'enlever son voile pour aller travailler. Ça c'est des questions qu'il faut retourner aux gens du ulama. Exactement. Assalamu alaikum. Quelle ville conseillez-vous au Maroc pour une femme seule avec trois enfants? Trois jeunes Tanger. enfants. Tanger? Ah ouais, direct. Moi je dirais Tanger. Après, j'ai pas fait toutes les autres villes, tu vois. Bon, moi, j'étais un peu Agadir, j'ai pas forcément le temps qu'on était resté là, deux mois et quelques et tout, j'ai pas forcément accroché avec des enfants.
Moi, personnellement, Tanger, je trouve que c'est une bonne ville avec des enfants parce que il y a quand même des trucs à faire pour les enfants. Il y a beaucoup de trucs de sport. Il y a beaucoup de gens qui organisent des activités, activités participatives, activités, ouais, le sport, etc. Franchement, il y a quand même beaucoup de choses pour les enfants. Il y a pour les gens qui recherchent un endroit où ils vont être quand même avec des Français, etc. Ben, il y en a quand même beaucoup ici et tout. Avec il y a beaucoup de jeunes enfants et tout. Donc, même la ville en elle-même, je trouve qu'elle est bien pour les familles avec enfants du coup. Et pour une femme seule aussi, parce que c'est quand même une ville quand même assez développée. Après, je pense que Rabat aussi, par exemple, ça pourrait Ouais, Rabat, franchement, être bien. Rabat après la vie. C'est des villes, je sais pas Rabat si s'est tu as vu développé, mais Rabat. Rabat, je trouve que religieusement, Tanger, c'est mieux que Rabat quand même. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Maintenant, moi, Casa, 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 c'est un peu trop brouillon, Casa. ouais, Casa, c'est. Ouais. C'est vrai que moi, je dirais franchement, Tanger, tu peux quand même trouver du boulot, tu as des activités quand même pour les Ouais, enfants. non, franchement, Tanger. Tanger, Évidemment, en et quand fait, tu cherches des familles. ouais. Non, non, Tanger, c'est bien. Tanger, franchement, ouais, Tanger. Il y a beaucoup de Français. Après, c'est vrai que, bon, je sais pas si la soeur a un diplôme ou pas, parce que il faut Tanger, le coût de la vie, quand même, c'est assez élevé par Oui, rapport à voilà. Après, Agadir. ça dépend de quoi tu souhaites vivre. Est-ce que tu souhaites faire un business ici ou quelque chose? Si elle veut faire un business, si elle a un peu d'argent et tout ça, franchement, Tanger, c'est pas mal. Maintenant, si elle est dans une situation financière assez compliquée, je pense qu'à Agadir, ça serait bien parce qu'à Agadir, la vie, elle n'est pas très chère. Alors, allez. On voit vite ce point de vue. Ouais. Autre question. Peut-on réussir dans son business sans passer par les prêts de la banque? Si oui, quoi? Comment? Si oui, comment? Ah ouais, t'as vu ça où? Ah oui, si, comment? Moi, Ouais. je ne vois pas. Tu réponds, je réponds. Bah moi, disons, je peux répondre après. Voilà, Vas-y, business vas-y, c'est réponds. là. Business c'est là. Quel type de business tu veux faire? Si tu veux ouvrir un resto, un truc comme ça qui demande énormément de fonds et tout, bah voilà, je pourrais pas forcément te conseiller sur ça. Mais aujourd'hui, il y a plein de business qu'on peut lancer, qu'on peut faire en ligne et à lesquels on peut commencer de zéro ou vraiment quand on dit de zéro, c'est vraiment avec très peu de fonds. Avec très peu de fonds. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, j'ai pas énormément d'argent. J'ai fait petit à petit et après, j'ai évolué. Aujourd'hui, je me contentais de ce que je pouvais avoir sur le moment. S'il y avait des outils que je pouvais pas payer, ben, je faisais sans. C'était peut-être pas de la même qualité, mais voilà, je me suis laissé le temps de commencer et d'évoluer. Aujourd'hui, avec les business en ligne, avec plein de business comme ça, les business de coach, je sais pas, vendre des e-books, des formations, des trucs comme ça. C'est quand même des business qui demandent pas énormément de fonds au départ. Donc, on n'est pas obligé d'aller faire des prêts. Après, si c'est pour un gros business, etc., là, par contre, moi, je suis pas apte à répondre. Ouais, donc commencer un business avec des prêts, bah ouais, dire bon, prêt, je pense que là, ça ne parle pas d'un prêt à la banque, je pense qu'il n'y a pas d'un prêt familial. Je ne conseillerais pas de commencer un business avec un prêt, parce qu'on ne sait pas forcément si le business il va bien fonctionner ou pas. Donc on va commencer avec des dettes, et ce n'est pas la meilleure chose pour un business. Par contre, ça dépend en fait aussi dans quoi on va se lancer. Mais par exemple, je prends le cas de figure d'une sœur qui veut se lancer dans la vente de Gilbeb, un truc comme ça. Elle peut commencer en demandant, si elle n'a pas d'argent, elle peut commencer en demandant qu'on lui avance la marchandise. Elle peut demander est-ce qu'on lui avance la marchandise et par exemple, elle paye une fois qu'elle aurait fini la marchandise, par exemple. Ça, c'est des cas de figure. Et donc, ça, c'est bien. Mais commencer avec un prêt d'argent, si le business il fonctionne pas, c'est pas terrible. Mais elle commence, elle demande qu'on lui avance sa marchandise. Après, voilà, elle commence à essayer de vendre sur les réseaux sociaux, etc. Et lorsque son business il est lancé, si le business il, voilà, il se lance bien, et ben là,
elle peut demander un prêt parce qu'elle a déjà, peut-être son business il est bien, elle sait que voilà, elle connaît la fiabilité de son business, donc elle peut demander qu'on lui rajoute un peu qu'on lui prête un peu de l'argent parce que voilà, elle connaît la fiabilité de son business. Mais sans connaître la fiabilité de son business et commencer par un prêt, ça, je pense pas que c'est une bonne chose. Déjà, en fait, je pense que la personne dans sa question, elle voulait dire en gros comment esquiver les prêts dans les banques. Et moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment esquiver les Ah, prêts les dans les prêts dans les banques, les banques. prêts dans les banques. Ah, mais ça, c'est Non. pour les gros business, Que, ça parce que veut dire. tu vas pas trouver partout quelqu'un qui va te prêter de l'argent que tu pourras avoir dans les banques. En fait, je pense que c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Bah, je sais pas, franchement, il fallait qu'elle repose la question parce que là, c'est un peu flou. Mais. Ok. Pour les postes de prof au Maroc, est-ce qu'il y a des sites qui mettent Ah non, pas du tout. toutes les. Je Toutes crois que les c'est les offres. annonces, non? Toutes les Toutes les offres. offres. Si on trouve un poste au Maroc, combien de temps ça prend pour trouver un logement général? Attends, bah déjà, Mais le Maroc, attends, faut c'est pas savoir une question que. avec Vas-y, vous. réponds, réponds, réponds. Ouais, mais c'est ça, c'est lié parce que c'est la même personne, en fait. Voilà. En fait, déjà pour la première question, il faut ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, oublier certaines habitudes que vous avez eu en France. J'avais une amie, elle voulait venir au Maroc et tout, puis elle se renseignait. Et toi, elle me dit, oui, mais j'ai cherché ça sur Internet, j'ai cherché ça sur Internet. Faut savoir que il y a certaines choses sur Internet qui sont pas aussi développées qu'en France sur Internet. Donc, c'est vrai qu'il y a des sites, etc., où ici, ça existe des sites où on trouve des offres d'emploi, etc. Mais c'est pas forcément le truc le plus développé. Ici, c'est plutôt soit vous allez être sur des groupes. Il y a beaucoup de groupes. Par exemple, je sais qu'il y a des groupes de Tanger sur Facebook où c'est pas des groupes de Mouadjir, hein, c'est des groupes général sur Tanger. Il y a énormément de monde qui vont dessus. Souvent, ils vont mettre des annonces d'offres d'emploi. Il y a des groupes spéciaux pour l'emploi. Ou bien ça va être sur des groupes WhatsApp ou du bouche à oreille, etc. C'est beaucoup comme ça. Plus que sur des sites, même si c'est pas impossible de trouver sur des sites, etc. Mais en général, ça va plus être comme ça, C'est voilà, pour aller l'Afrique, c'est l'Afrique. Ici, c'est l'Afrique. voilà. C'est Et le l'Afrique. deuxième, si on trouve un poste au Maroc, combien de temps ça prend pour trouver un logement? Un logement au Maroc, ça peut être très rapide. Un logement au Maroc, ça peut être en 2-3 jours. Ouais, c'est même pas C'est rapide, ça. Le logement, ça c'est même dépend des pas un critères. problème. Si on n'a pas de critères précis, on ne recherche pas un quartier précis, telle chose, mais ça peut être vraiment. Le logement au Maroc, ça peut être le matin, vous vous levez, vous cherchez, vous trouvez le soir. C'est pas comme en France, galère pour trouver un logement, etc. La femme d'Ismaël Mounir a enlevé son voile alors qu'elle vient au Maroc. Quelle est son réaction? Bon. Bon, déjà, ça, c'est une histoire de l'ordre du privé, normalement. C'est une histoire de l'ordre du privé, c'est-à-dire que normalement, je comprends pas pourquoi ils ont mis ça sur les réseaux sociaux, alors que c'est une histoire qui est de l'ordre du privé. En soi, elle enlève son voile, ça la regarde elle. Nous, on n'est pas forcément concernés par cette histoire. Mais moi, ce qui m'a dérangé, ben, vu qu'ils en ont parlé sur les réseaux sociaux, et vu que ce sont des gens très suivis, il est bien de commenter les erreurs qui sont faites en public, surtout par ce genre de personnes. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est qu'en fait, il se fait passer pour un religieux et il a une réaction. Il fait croire aux gens que sa réaction est la réaction d'un religieux, alors que un homme religieux normalement ne devrait pas avoir sa réaction. Parce qu'il a dit, lui, je ne juge pas, etc. Et dire cette chose, beaucoup de gens malheureusement disent souvent ce genre de choses, je ne juge pas, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même jugeait les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il a dit, Innama ahkumu bizzahir, wallahu yatawalla as-sarair. Il a dit, moi je ne juge qu'en fonction de ce que je vois. Et l'intérieur des cœurs appartient à Allah. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le sens du hadith, il a dit,
ahkumu ala nahwi ma asma. Il a dit quelque chose comme ça, comme quand Rasulullah, il a dit, dans vos différends, je juge en fonction de ce que j'entends. Il a dit, celui dont j'ai jugé pour lui en défaveur de son frère, etc., au jour du jugement dernier, il va rendre cela, etc., dans le sens des hadiths. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de juger les actes des gens ils font autour de lui. Et nous, on a tous l'habitude de se juger. Et c'est malheureux qu'il ait cette réaction par rapport au grand péché que son épouse ait pu faire, et cela devant tout le monde. Donc une personne n'a pas été éprouvée par le fait qu'elle avait enlevé son voile. Ça peut être une épreuve. L'homme est salué de savoir comment régler ça avec sa femme, mais venir faire montrer sur les réseaux sociaux que je ne juge pas, j'accepte la chose, alors que un jour, il y a une femme, elle est passée devant un compagnon, je crois que c'était Abu Huraira, radhiallahu anhu. Cette femme, elle allait à la mosquée. Et donc cette femme, elle va à la mosquée, elle est passée devant Abu Huraira. Je crois que c'était lui, Abu Huraira, radhiallahu anhu. Et cette femme, elle avait mis du parfum. Et Abu Huraira, il sent le parfum de cette femme, il lui a dit, Ya Amat el Jabbar. Il a dit, oh, servante du fort, du puissant. Il a dit, est-ce que c'est à la mosquée que tu vas? La femme lui a dit, oui. Il lui a dit, retourne chez toi et va te laver. Car j'ai certes entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que toute femme qui sort en s'étant parfumée et en allant à la mosquée, qu'elle se lave. Sinon, sa prière ne sera pas acceptée, le sens du hadith. Vous avez vu comment ce compagnon, il a réprimandé cette femme de manière virulente. Subhanallah. Et Aïcha, radhiallahu anha, c'est elle qui a dit dans le hadith, elle a dit, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait vu ce que les femmes faisaient à notre époque, il leur aurait interdit la prière. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit, n'interdisez pas au serment d'Allah du son de la mosquée. Donc malheureusement, on voit la réaction des pieux prédécesseurs face à ce genre de choses. Et lui qui est connu chez les gens, chez certains, pour être un religieux et qu'il ait une réaction aussi complaisante, c'est vraiment, voilà, c'est qu'Allah le guide. Hein. Moi, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas qui laisse, tu veux rajouter quelque chose. Moi, j'ai rien à dire, hein. Voilà. Comment les sœurs gèrent les études et le travail? Ça, c'est surtout pour les sœurs que c'est. C'est quoi? Comment les sœurs gèrent les études et le travail une fois sur place en Hijra? Ça, c'est surtout pour les sœurs qui sont seules. Ouais, je pense. Par rapport Aux aux écoles, est-ce qu'on écoles, peut continuer les cours en ligne ou de scolariser sur place? pour Bah, les je pense enfants, que je ça pense. dépend. Il n'y a pas de mieux, en fait. Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Chacun a ses critères, a ses choix de vie, à ce qu'il veut, en fait. Donc, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui vont scolariser leurs enfants ici. Il y en a qui vont plutôt les scolariser en ligne. Ça dépend d'une personne à l'autre. Il y a des gens, ben, s'ils se voient ici, qui veulent rester sur le long terme, qui veulent être imprégnés vraiment du pays, etc., ben, c'est mieux de scolariser ses enfants dans le pays. Parce que, il faut qu'ils soient, faut qu'ils soient imprégnés du pays. Si vous voulez qu'ils restent là sur le long terme, ben, il faut qu'ils connaissent le pays, il faut qu'ils étudient ici, etc. Après, il y a d'autres personnes pour qui peut-être que c'est une étape, pour X ou Y raison, préfèrent scolariser leur enfant en ligne. Moi, je pense qu'il n'y a pas de mieux. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Il y a une sœur qui demande, une sœur qui veut se lancer dans la vente des vêtements légiférés pour hommes-femmes. Ça marche assez bien au Maroc. Bah, au Maroc, pour vendre ici au Maroc, je sais qu'il y a une sœur qui vend ici. Ça a l'air de bien fonctionner pour elle, vu que ça fait des années que ça dure. Allah alem. Après, tu peux vendre. Ça dépend ce que tu veux vendre. Tu peux vendre ici, tu peux vendre aussi avec la France, etc. Ça dépend toujours de ce que tu veux vendre parce que c'est vaste. Ça peut bien fonctionner aussi parce que
Ici, on est, c'est quand même un pays où, où par exemple, je ne sais pas si tu veux te lancer dans la vente de abaya, des choses comme ça, etc. Bah, tu peux toucher, parce que souvent, les Français vont se restreindre uniquement aux Français, mais tu peux aussi toucher les Marocaines. Tu as énormément de Marocaines qui portent le hijab, qui portent l'abaya, etc. Donc, ça peut, selon ce que tu veux lancer, ça peut fonctionner ici. Après, ça dépend, tout, ça va dépendre de plein de choses. Dans quoi tu vas te lancer, quelle stratégie tu vas mettre en place, etc. Vraiment, les vêtements légiférés au Maroc, je pense que ça peut marcher. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, mais... Je pense que ça peut marcher. Après, je pense que après, c'est tout va dépendre aussi de la qualité et du prix. Parce que si c'est les prix de ces jeans, les pantalons à 50 euros, etc., voilà, ça va être quand même cher pour les gens qui vivent, et pour les Marocains. Mais si c'est des prix qui sont raisonnables, ici, je pense, ici, les sarouels, c'est du 250, 25, 20, 25 euros, ouais, ça peut marcher. Franchement, s'ils sont bien, etc., ça peut marcher parce que il y a pas mal de frères, il y a pas mal de frères que ça peut intéresser. Là, il y a une personne qui a envoyé une invitation, renvoyez-la parce que je sais pas pourquoi c'est parti. Quelqu'un qui demande des loyers doivent être payés au mois ou à l'année. C'est au mois. C'est au Au moins. Maroc, c'est au mois. Il y a Et quand qui? tu prends l'appartement, en général, ils vont te demander un mois ou 2 mois de caution. Ça dépend. En général, tu n'as pas plus de 2 mois de caution à donner. Les loyers sont accessibles au bout de combien de temps? Je n'ai pas compris cette question. Y a-t-il des appartements meublés? Oui, il y a des appartements meublés. Après, les meublés, en général, ça coûte un peu plus cher que les vides, le loyer. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris la question. Je sais pas si tu as compris. Les loyers sont acceptés. Les loyers sont acceptés au bout de combien de temps? Non, j'ai pas compris. Les loyers sont accessibles. Non, j'ai pas compris. Peut-être qu'il y a une erreur. Est-ce possible d'investir dans l'immobilier ou un commerce sans avoir la résidence? Oui, Alors, c'est possible. il faut savoir que le Maroc, c'est pas comme les pays du Golfe. Au Maroc, Alhamdoulilah, vous pouvez acheter, vous pouvez investir, vous pouvez louer, vous pouvez avoir, Alhamdoulilah, comme si vous étiez en France, en fait. Hein. À partir du moment où vous venez ici, vous pouvez vous émanciper comme si vous étiez en France. C'est ça qui, c'est l'avantage. Vous pouvez acheter un bien, vous pouvez le mettre en location, il va être à votre C'est aussi nom. des Vous, gens en Turquie d'ailleurs peuvent investir, ouais, voilà, etc. vos enfants ils vont hériter de ce bien, etc. Donc c'est comme si, voilà, c'est vrai que c'est ça, c'est beaucoup plus avantageux que les pays du Golfe sur le long terme. Ah non, Maroc, c'est pas comme en France. Si vous trouvez un appartement qui vous plaît, vous direct, vous signez le contrat avec le propriétaire, après vous habitez dedans. Hein. C'est pas comme en France, dossier, je sais pas quoi, la CAF, là, c'est pas tout ça. Vous payez votre caution, vous payez votre loyer, après direct. Vous trouvez le matin, hein, ça se trouve le soir, vous pouvez être dans votre appartement. Ouais, faut juste signer le bail et donner la caution, etc. Et puis c'est tout, quoi. C'est quoi le live, il s'est transformé en live spécial Maroc. C'est quoi le plus avantageux? Les meubles, c'est cher au Maroc. Tu dois compter combien pour meubler correctement un F2? F2, c'est quoi? C'est une seule chambre? Une chambre. F2, non? Ça n'existe pas, ça, ici, au Maroc, F2. Au Maroc, ça commence à F3. Ouais, c'est rare, les F2, je crois. C'est rare, les Mais je crois F2. qu'il y en a quand même, hein, mais c'est rare. Ouais, c'est rare, c'est très, très rare. C'est quoi le plus intéressant? Non, meublé, il ne faut pas prendre meublé, parce que meublé, ça va être cher. Vous allez payer les meubles dedans, du genre. Meublé, ça peut être pour un truc temporaire, quand la personne, Voilà, meublé le temps temporaire. de trouver ton appartement définitif, si tu veux prendre le temps de bien chercher, etc. En plus, c'est Après, sur malheureusement, le long c'est. terme, ça va être plus cher. En plus, c'est très, très moche, malheureusement, les meublés au Maroc. C'est très très moche malheureusement. Donc non, il vaut mieux prendre quelque chose qui est vide et puis vous le meublez à votre convenance. Voilà. Et...
J'avais aussi d'autres questions. Au niveau du travail, c'est plus facile Tanger ou Agadir? Il y a quelqu'un qui demandait. Au niveau du travail, Pas de... Agadir, le niqab est bien vu au Maroc. Oui, au Maroc, il n'y a pas de problème pour le niqab. Du nord au sud. Il y a énormément de portes. Hein. Exactement. Tanger ou Agadir pour le travail. Écoutez, regardez, Tanger, c'est comme si vous dites Tanger, c'est Lyon. Et c'est comme si vous dites Agadir, c'est Rennes. D'accord? Tanger, c'est Lyon, la deuxième ville économique, c'est la deuxième ville, c'est la deuxième capitale économique du royaume marocain, Tanger. Agadir, c'est une ville de vacanciers. Agadir, les Schleurs, là-bas c'est les Schleurs. Les Schleurs, ils sont connus pour être des gens qui sont, on va dire, qui sont proches de leur argent. Donc, Agadir, c'est pas vraiment une ville qui bouge. Agadir, c'est une ville de vacances. C'est beaucoup les vieux qui vivent là-bas, etc. C'est une ville qui, voilà, qui bouge pas trop. Tanger, c'est une ville économique. Tanger, c'est une ville avec des gens qui sont riches. Tanger, c'est une ville de business. Tanger, vous sortez la nuit et les magasins sont encore ouverts. Tanger, c'est une ville d'avenir, Tanger. Le Maroc, ils ont misé sur Tanger. Après Casablanca, en termes de business, c'est Tanger. Voilà. Ça répond à la question. Il y a quelqu'un qui dit, mon mari est algérien, est-ce qu'il peut ouvrir un commerce sans avoir la résidence? Il est algérien, mais il a les papiers français ou pas? Parce qu'il y a des Il doit problèmes avoir la entre carte les. de résidence, je pense. Ah ouais, est-ce qu'il est français Ouais. de nationalité, c'est ça? De toute Ouais, façon, ici, il nationalité. n'y a pas besoin, il y a, t'es pas obligé d'avoir l'IFAMA pour la résidence pour ouvrir un commerce. Tu peux ouvrir une entreprise même sans avoir la résidence. C'est pas une condition. Voilà. Il est né en France. Ouais, s'il est français, il n'y a pas de problème. Après, bon, en ce moment, il y a le Maroc et l'Algérie, c'est un peu tendu. Mais au niveau des Ouais, mais les peuples, il n'y a pas de Marocains, problème. bon, ils n'ont pas de souci avec les Algériens Ouais, non, ici. les Marocains, ils n'ont pas de problème. C'est au niveau des gouvernements que c'est un Ouais. peu tendu, mais au niveau du peuple, il n'y a pas de problème. Pour les meubles et la voiture, vaut mieux les faire venir ou tout racheter? Les meubles, je pense qu'il vaut mieux les faire venir. Hein. Alors moi, franchement, je ne saurais pas te dire sur ça. Les meubles, non, je pense que la plupart de. Si vous trouvez un plan qui n'est pas trop cher, vaut mieux les faire venir parce que. En France, on a des meubles de bonne qualité. Et ici, au Maroc, franchement, pour avoir des meubles de bonne qualité, c'est cher. Franchement, IKEA, ici, c'est très cher. Vaut mieux faire venir ses meubles et vaut mieux ramener sa voiture de France. Parce que les voitures, ici, c'est très, très cher. Après, Et il y a des c'est. conditions pour garder la voiture, etc. Ouais, voilà, la voiture, Donc les elle voitures va ici rester sont chères, 6 mois. tellement chères que pour pouvoir, sauf la personne qui vient avec un bon budget pour pouvoir acheter une voiture, etc. Mais sinon, la plupart, ils font venir leur voiture de France. Ouais, sinon parce que les voitures, franchement, c'est quand même cher ici. Au début, moi, je pense qu'il vaut mieux ramener sa voiture de France et ceux qui peuvent ramener ses meubles de France aussi, ils les ramènent. Donc, voilà. Les Schleurs proches de leur sous, c'est une idée reçue. C'est plus par rapport aux tribus. Les Berbères ont connu pour être économes. Ah ben moi, je sais pas, hein. Moi, depuis que je suis au Maroc, j'entends que les Schleurs, ils sont proches de leur sous. Et puis je l'ai vu, hein, franchement, les gens du Nord, c'est plus des vivants que les Schleurs. Après, je pense que les Schleurs, voilà, c'est des commerçants, en fait. C'est des commerçants, ça veut dire que c'est eux qui ils investissent plus leur argent, je pense, peut-être. Voilà, ils disent qu'ils réfléchissent un peu comme des Juifs, les Schleurs. Ils sont entre eux, ils investissent entre eux, etc. Ils sont moins vivants que les gens du Nord, mais. Et voilà, je pense qu'ils dépensent moins, on va dire. Je pense que celui qui fait un commerce à Tanger ici, tu fais un commerce, tu mets tes menus à 20 euros, tu vas vendre, tu vas à Agadir, tu mets tes menus à 20 euros, ça va être compliqué. À Tanger, les gens, bon, 20 euros, j'exagère. Ouais, Ça fait 200 t'exagères. dirhams. 20 euros, j'exagère, ça fait 200 dirhams. Mais voilà, tu mets tes menus à 100 dirhams à Tanger, tu vas, tu, normal, tu Mais vois. après, on voit que c'est Donc, pas c'est. pareil. Par exemple, bon là, ça fait longtemps que je suis pas parti à Agadir, mais c'est vrai que quand on voyait Tanger commencer à se développer, il y a déjà on a trois centres commerciaux ici, trois malls, etc. À Agadir, il y en avait pas un seul. Depuis, je sais pas s'ils en ont fait un, mais
Donc ça montre Agadir, Agadir, c'est le bled par rapport à Tanger. Donc en gros, c'est pour du travail, ça serait peut-être plus Tanger. Parce que c'était ça, Agadir, c'est le bled. la question de base. Combien nous conseillez-vous pour une femme seule avec un enfant pour partir en Égypte? Franchement, l'Égypte, ça fait plusieurs années. L'Égypte. En Égypte. Ouais, parce que moi, depuis le temps où nous, on y était, ça a changé. Donc, franchement. Bah, l'Égypte, c'est les mêmes prix que Tanger maintenant. Ah ouais? Ouais, il y a un frère, il m'a dit ça. Je parlais avec un frère, je dis combien tu payes de loyer? Il m'a dit il paye 300, il m'a dit il paye 300 euros son loyer. J'ai dit l'école des enfants, c'est combien? Il m'a dit il paye 100 euros par mois. J'étais, ah ouais, c'est le même prix qu'au Maroc maintenant, l'Égypte. Ça a grave augmenté la vie là-bas. C'est complètement faux, c'est moins cher à Agadir dans la restauration. C'est ça qu'il a dit. C'est ça que tu as dit. Bah, c'est ce que j'ai dit. Agadir, la restauration. Ça qu'il disait. Il disait qu'à Tanger, en fait, tu pourras vendre des menus plus chers qu'à Agadir, parce qu'à Agadir, ça sera moins cher. En Égypte, au moins, minimum 800 euros. Par mois. T'as vu, avant c'était pas ça. Pour une femme seule avec un enfant, ah oui, ça a changé. Hein. Avant en Égypte avec 800 euros, tu restais. Avant en Égypte avec 800 euros, tu restais 6, 7 mois, 8 mois. Mais après, elle a écrit 250 à 300 euros, donc je sais pas. Au minimum 800 euros par mois, c'est devenu trop cher l'Égypte, c'est abusé, subhanallah. Au niveau budget, vous conseillez de venir avec à partir de combien pour des personnes d'une consommation modeste? Moi, je dis toujours, la hijra, deux choses. Fixez-vous un budget, une date butoir, tawakkalou ala Allah. Un budget, dites-vous, ok, vas-y, on met 5 000 euros de côté, une date butoir, le 12 décembre 2022, 5 000 euros, on part. À la date butoir, tu as 2 500 euros par. Allah Jalla va te faciliter. Placez votre confiance en Allah. Quand vous faites des calculs, ça ne se passe jamais selon vos calculs. Ça ne se passe jamais selon nos calculs. Allah Jalla, c'est celui qui vous a ordonné de partir, il va vous donner de la subsistance là où vous allez être. Donc allez-y, placez votre confiance en Allah Jalla. Bien sûr, faites des bonnes causes avant, repérez Oui. bien, etc. Voilà. 150 euros le Moustawa. Ouais, Et c'est un truc, ça. elle dit le loyer, même les quartiers populaires, Achir, Sakhar, Kouraïch, est devenu 150 euros le loyer. Ben, Et moi, là-bas, c'est combien? il y a 10 ans, à Tagamalkhamis, je payais 1 000 guinées. 1 000 guinées, je sais pas, ça faisait combien. Ça devait faire, je crois, plus, c'est 1 000 guinées à l'époque. Le guiné, il était à 8, 9 euros. Un euro, c'était 8, 9 guinées, je crois, ça me faisait, je sais pas, moi, dans le 70 euros de loyer ou 80 euros, je crois, un truc comme ça. Même à Arba Awanif, ils sont payés quoi? 90 euros à peu près le loyer. Non, c'était à Alexandrie ça. On payait ouais, l'équivalent de. Je sais même plus. En tout cas, Ouais, qu'Allah vous donc, à tous. Hein. la vie, elle a augmenté pendant là en Égypte. Hein. Khamis, ça commence à 200 pour le quartier populaire. Au Maroc, est-ce qu'il y a des suivis en orthophonie, ergothérapie, psychologie pour les enfants? Mais bien sûr. Alors, orthophonie, il y a. Et parce que moi, moi, je suis dans le domaine de la santé. Donc, orthophonie, il y a. Ergothérapie, c'est pas trop une spécialité qui est Mais développée au d'ailleurs, Maroc. en ville, c'est sur Rabat, en général. Ouais, voilà, sur Rabat. Mais Rabat, c'est c'est pas plus trop une. développé que Tanger sur la médecine. Sur le médical, le Rabat, c'est plus développé. En tout cas, Tanger, orthophonie, il y a. Psychologie aussi, il y a. Ça, c'est pas des. Ça, pour les enfants, il y a, bien sûr. Il y a même des centres et tout ça. Y a-t-il des cas d'harcèlement dans la rue en Égypte ou au Maroc? Des cas d'harcèlement pour les femmes.
Ouais, sais tu qu'on est, sais qu'apparemment en Égypte, quand même, il y en a, hein, apparemment. ouais. Ouais, en Égypte, je sais que même nous, quand on y était, on avait quand même entendu. C'est Après, il doit y avoir. qu'apparemment. Bon, malheureusement, c'est des choses qui vont y avoir un peu partout. Comment ça se passe pour les assurances médicales mutuelles? Ça, c'est plus ton domaine aussi. Les assurances, pour les assurances médicales. Alors, au Maroc, pour le Maroc, la personne qui travaille, elle peut s'assurer dans une assurance, mais c'est pas une assurance, en fait, La sécurité sociale, c'est la sécurité CNSS. sociale, voilà, la CNSS. Donc, voilà, elle sera prise en charge après, bon, voilà, prise en charge du bled. Faut voir. Mais sinon, il y a une, il y a une, il y a une caisse, il y a une sécurité sociale, tu sais, pour les Français. Hein. Pour Les les Français, Français, on a une... mais c'est payant, les gens. c'est payant, mais voilà, pour ceux qui ont des bons salaires, il y a une sécurité sociale pour les Français expatriés. Et ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle la caisse des Français, La caisse des Français de voilà, l'étranger. la caisse des Français de l'étranger. Donc, celui qui veut y adhérer, il peut y adhérer. Après, c'est vrai que c'est, ça a un coût. Mais pour celui qui a un bon salaire, voilà, c'est pas haram parce que c'est pas une assurance. C'est pas une assurance, mais c'est comme la sécurité sociale qu'on a en France. Mais c'est la caisse des Français de l'étranger. Donc, celui qui veut y adhérer, c'est quand même un budget. C'est pas à prendre à la légère, mais voilà, celui qui veut y adhérer, voilà. Mais bon, la meilleure assurance, c'est Allah Azzawajal et son messager. On place notre confiance à Allah Azzawajal et voilà, Inch'Allah, on fait des invocations, on essaie de prendre nos précautions et tout ira bien. La Turquie n'est-elle pas plus intéressante, je crois, pour les Occidentaux, en ce qui concerne la Hijra? La Turquie, moi je suis jamais allé, donc je ne peux pas vous répondre. Après, administrativement en Turquie, ce qui est bien, c'est que tu peux avoir une Iqama assez facilement, sans En condition. Turquie? Ouais, sans, t'as pas besoin genre d'avoir une entreprise comme ici ou un travail ou quoi, tu vois. Et souvent, ils donnent 1 an ou 2 ans d'Ikama comme ça. D'accord. Ouais, donc ça, c'est pour certaines personnes, ça peut être bien. Après, la Turquie, c'est la langue. Par exemple, quand tu viens au Maroc, même si tu parles pas l'arabe, tu peux très bien te débrouiller avec le français. En Turquie, il faut parler le turc, quoi. Les Turcs, ils ne parlent pas trop les langues étrangères. C'est le problème de la Turquie. Mais par Voilà. contre, C'est pour ça le... que dans la zone touristique, par exemple d'Istanbul, etc., donc dans la zone touristique, ils vont quand même se débrouiller avec l'arabe, etc. Mais après, il faut se dire, voilà, je vais apprendre la langue, quoi. En tout cas, pour celui qui veut investir dans l'immobilier, la Turquie, c'est pas mal. Parce que la Turquie, c'est beaucoup moins cher qu'au Maroc. Et la Turquie, bah, par contre, c'est à partir d'un certain montant que tu peux avoir la nationalité si tu achètes un bien. Et il faut savoir aussi que la Turquie, par exemple, à partir de 5 ans dans le pays, tu peux prétendre à la nationalité aussi. Après, Cinq pour ans. les convertis, etc., ça peut être bien, quoi. Machallah. Une Chaque personne qui a... pays a pas ses conditions, il faut toujours se renseigner sur le pays qu'on vise, etc. Après, bon, le live est fini. Les frères et sœurs, Inch'Allah, ce fut un plaisir. Hein. On a fait 3 heures de live. On va mettre fin à ce live. Inch'Allah, il reste 22 secondes. On a essayé de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, Inch'Allah. Le live il sera enregistré. Celui qui veut le revoir, Inch'Allah, n'hésitez pas. On se dit à plus tard, Inch'Allah, pour un autre live. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci.